tribulation, pas quitter rien, dérangez-nous. Convergez-nous seulement sur Jésus. Concentrez-nous dans la présence du Seigneur. Tandis que nous avons invité la sœur Emma, qui est venue pour chanter pour la gloire de Dieu et pour l'édification de l'Église. Monsieur Sylvain, qui est avec nous, que nous sommes capables de bénir nos matins et pour tout nouveau monde. Welcome on board. Thank you.
Yeah.
I just cut it off. I think so. I don't know what's wrong with the monitor. It's gonna cut. What happened? This one. I don't know. So this is fine, right? Yeah. It's good. I don't know. It says it's on. Yeah. Okay. It says it. Yeah. Le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, nous glorifions le Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Maintenant, l'Église a que nous souligner, laissez ça dans toute nous. Parce que le verset qui est fort, et je le crois encore, que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez, c'est ce que nous faisons maintenant, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueilli. À qui il est beau de voir des fruits. 263 Français, chant d'espérance. Ah. Oh.
Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce envers nous. Jusqu'encore ce matin, tu nous donnes le privilège d'être en ta sainte présence. Nous ne le méritons pas à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités et de tout ce que nous avons fait mal contre toi. Cependant, tu nous accueilles dans ta sainte demeure par le biais de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, qui par sa mort expiatoire nous a affranchis du péché et nous a libérés complètement. Nous a délivrés de la condamnation de la mort. Nous a délivrés, ô Dieu, de la domination du péché. Et il nous promet de nous délivrer de la prison du péché autant marqué. Seigneur, ce matin, nous comptons de ce que des frères et des sœurs se réunissent avec un seul cœur, une seule pensée, une seule intention, un seul but et un seul objectif pour la gloire à vous-même et à vous-même seul. Merci pour le privilège de te servir. Merci pour l'augmentation des membres baptisés ici à l'église baptiste d'Exception française de Haut-Dalande. C'est une preuve tangible de croissance spirituelle pour ton église. Permets au Dieu que ce groupe de frères et de sœurs va continuer à faire progrès sur le plan spirituel, développer sur le plan numérique, développer sur le plan fonctionnel, développer sur le plan missionnaire, développer sur le plan éducatif, développer dans tous les domaines afin que ton église capable vraiment faire un vœu qui vaille et attendre avec espérance le retour imminent de Jésus-Christ. Merci encore pour cette belle journée, cette belle matinée d'adoration, qu'elle soit pour chacun de nous un sujet d'allégresse et de joie. Seigneur, écoute la prière que nous t'adressons, parce que nous te réclamons cela au nom et par les seuls mérites de ton fils Jésus-Christ, à qui seul soit la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous aide point à la tentation. Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est nos seuls qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. On nous chita pour quelques minutes. On nous aussi ouvrir les genoux. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 12, versets 4 à 7. Corinthiens chapitre 12, verset 4 au verset 7. Isaac is wrong. I saw him before. Isaac? Yes. Oh, okay, come, please. Nous avons un paquet de microphones, on savait que pas de monde qui était le matin. De toute façon, on ne va pas déranger pour être ça. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens 12. Versets 4 à 7. 4 à 7. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Now there are diversities of gifts, but the same Spirit. Diversité de ministères, même le même Seigneur. And there are differences of administrations, but the same Lord. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. And there are diversities of operations, but it's the same God which worketh all in all. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with all. Je reprends, or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with all.
le ministère de l'Église, ou bien le travail de l'Église, un travail d'équipe. There's the work of the church and the work of the teamwork. The teamwork. Le ministère de l'Église, c'est un travail d'équipe. Work ministry is a work team. Okay. Chaque chrétien, chaque croyant, chaque membre qui fait partie de l'Église, yo gagne yo responsabilité vis-à-vis de l'Église. Each Christian, each member, they all have a responsibility in the church. Le travail de l'Église, c'est au travail d'équipe. The work of the people is a work of teamwork. Le travail de l'Église est un travail d'équipe. The work of the church is a work of teamwork. Okay. Le travail de l'Église, c'est au travail communautaire. It's a community work. Responsabilité et tâches sont partagées entre chaque composant, entre chaque membre de cette communauté. Everything has to be fixed with the member. Ok, le travail de l'Église, the work of the church, est partagé entre chaque membre qui fait partie de cette Église. They each have a part to play as a member of the church. Ok, suivant mesure de foi que bon Dieu bail à chaque membre. With the amount of faith that God gives each person. Ça pour le travail pour la gloire de Dieu et pour l'édification de l'Église. And the divination of the church. Bon Dieu bail à chaque membre de l'Église dit, each member of the church, responsabilité séparée a separate responsibility, pour que le travail là capable de réaliser parfaitement, so that the work can be realized together. Travail d'évangélisation, the work of evangelization, travail de prédication, the job of preaching, travail d'administration, job ministry, travail d'exhortation, the job of exaltation. Travail de visite. To bring people in. Travail de prière. Job of prayer. Travail de guérison. Job of healing. Travail de prophétie. Job of prophecy. Travail de parler en langue. Job of talking in tongues. Travail de d'interprétation des langues. Interpretation of tongues. Et toutes sortes de services qui gagnent dans l'église là. And everything that's in the church. Service de nettoyage. Cleaning. Service de nettoyage. Cleaning. Ok. Et toutes sortes d'activités qui sont liées à l'église. And everything that happens in the church. Le travail de l'église. The work of the church. L'irréalisé. It's realized. Sous la base de trois dimensions. It's on three dimensions. Ok. Dimension de don. The dimension of gifts. Dimension de ministère, the gift of ministry. Dimension de d'opération. Dimension of operation. Ok, je reprends. Dimension de don, the operation of gifts. Dimension de ministère, ministry. Dimension d'opération. And operation. Raison pour laquelle, the reason for, moi demandé Isaac pour traduire message à matin. Hein? The reason I asked Isaac to translate. C'est parce que nous avons de nouveaux membres. Because we have new members. Nous avons des jeunes. We have the youth. Qui besoin connaît. Who needs to know. Responsabilité. Their responsibility. En tant que membre. As a member. De l'église de Jésus-Christ. Of the church of Jesus Christ. Pas seulement pour venir adorer. Not just to come to praise. Pas seulement pour venir assister. Not just to come to assist. Pas seulement pour venir garder. Not just to come to look. Pas seulement pour venir chanter. But not just to come to sing. Mais aussi et surtout. But also to. Pour capable participer, to participate, pour travailler, to work, à salut, with your salvation, parce que c'est une recommandation de Dieu, because it's the recommendation of the Lord, pour nous travailler à salut ça que so nous joignons gratuitement, salvation, que nous recevons gratuitement, that we receive freely. Ok, très bien. Maintenant, dimension de don. On the dimension of gifts. Dans la vraie église de Jésus-Christ. In the real church in the real church of Christ. There's nothing that's done. Selon capacité humaine. In a capacity. Human capacity. Human capacity. Pas gain rien qui fait selon capacité humaine. There's nothing done in the human capacity. Tout bagage doit réaliser. Everything needs to be realized. Par la puissance de Dieu. By the presence of the Lord, the power of God. Qui bail à chaque monde. That comes to each person. Qui bail à chaque monde. That gives to each person.
responsabilité pour accomplir une tâche spéciale. Responsibility to complete a task. Bon Dieu lui donne des capacités spirituelles. He gives you a spiritual capacity. Pour que l'Église capable de bénéficier. So that the church can benefit. Travail que chaque monde a réalisé. From the work that each person has to do. Afin que l'Église. Because the church. Capable de développer. Needs to develop. Premièrement spirituellement. Spiritually. Deuxièmement fonctionnellement. Secondly, the functionality. Troisièmement numériquement. And the third, the number of people. Et quatrièmement, et socialement. The social way. Et cinquièmement, économiquement. And then economically. So, l'église pas seulement réunie pour adorer. The church doesn't only come to pray. Mais l'église a un travail à réaliser. But it's a work that needs to be realized. Toute l'église qui pas réaliser mission que tu as doit réaliser. Every church that doesn't realize the complete the mission that they need to complete. So, l'église qui cocobé. It's a church that's handicap church. Raison faire l'église de la Cocobéa, c'est parce que les gens qui l'a donné pas capable en mesure qui sont capables de découvrir des dons que bon Dieu mettait dans eux puis au travail dans l'église ça. To work in the church. Nous pas besoin de 10 000 monde. We don't need to have thousands of people. Mais mesure que nous gagnons 12 monde, c'est pas sans raison que nous voyons Jésus qui a 12 disciples. 12 monde suffit pour qu'une église qui fonctionnelle. Are enough to make a church function. That's the reason Jesus had 12 disciples. He didn't need that many people. 12 monde suffit pour qu'une église qui spirituelle. 12 people is all you need to have a spiritual church. 12 monde suffit pour qu'une église qui a travaillé tout bon vrai. 12 people is all you need to have a church that's really working. Bon Dieu ba nous ou bien mettez à la disposition de nous des dons. That's why God gave us this decision of gifts. Dans Romains chapitre 12, in Romans chapter 12, la Bible bat nous the Bible gives us une liste de dons a list of gifts que bon Dieu mettait à disposition de nous. That the Lord gives disposition to you. On nous garde dans verset 8 là, toujours dans chapitre 12 in verse là. 8 in chapter 12. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, toujours Romains chapitre 12, Romans 12, verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Or he that exhorted, unexhorted, he giveth, let him do it simplicity. À un autre, une parole de connaissance. He ruleth with diligence. Selon le même Esprit. He showeth mercy with cheerfulness. According to the same Spirit. That's verse 9 now. Okay. À un autre, la foi. Let love be with this 12, right? Yeah, one conscience. Oh, you are a woman. Okay. Okay. First Corinthians chapter 12. Verse 8. No. Okay. Okay. For one is given by the Spirit the word of wisdom. Okay, okay. To another the word of knowledge by the same Spirit. To another faith by the same Spirit. Verse 9. À un autre la foi par le même par le Esprit. To another faith by the same Spirit. À un autre le don de guérison par le même Esprit. To another the gifts of healing by the same Spirit. À un autre le don d'opérer des miracles. To another the working of miracles. À un autre la prophétie. To another prophecy. À un autre le discernement des esprits. To another discerning of spirits. À un autre la diversité des langues. To another diverse kinds of tongues. À un autre l'interprétation des langues. To another the interpretation. Un seul même Esprit. But these all work in opère one, toutes ces choses, and the self-same les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Dividing to every man severally as he will. Voilà. Bon Dieu mettait à disposition nous cette liste de dons. God gives you a list of the gifts. Le Saint-Esprit les distribuait dons à chaque monde en particulier. That one spirit distributes gifts among his people. Il distribuait donc que le bon moins. He distributed me the gift that he gave me. Il fait à vous-même donc le and he gives you your gift. C'est à vous-même de travailler avec le Saint-Esprit. It's your work. Pour découvrir donc que bon Dieu maintenant où. To discover the gift that God has put in you. Souci toi pas j'aime travailler avec l'Esprit de Dieu. If you just sit here and never work with the Spirit of God. Pour j'aime cap découvrir ça que bon Dieu maintenant où capable réaliser. You'll never discover what God has put in you. Pour découvrir donc ça que bon Dieu maintenant ou a, to discover the gift God has put in il faut qu'on laisse l'Esprit de Dieu diriger ou. The Spirit of the Lord has to
move you. L'âme va le diriger ou ça veut diriger nos pensées ou? When I'm talking about direct, I'm talking about directing you in your mind. Diriger nos attitudes ou? In your attitude. Diriger nos comportements ou? In the way you hold yourself. Diriger nos façons de penser ou? In the way that you think. Diriger nos façons qu'on voit l'église là. In the way that you see the church. Diriger nos façons qu'on voit le monde qui est d'abord côté yo. Direct you by the people that. Diriger nos façons qu'on voit le monde qui est un pasteur. The people that. Dirigeons nos façons que les gens qui ont des titres, les titres, les gens qui ont des titres pasteurs. Oh, see, the people that direct you that have the title pastor. Parce que, ou gon titre tout. Because you have a title. Ou pas venir découvrir le titre là. You don't want to discover the title. Because ou pas travailler avec le Saint-Esprit de Dieu. Because you don't work with the Spirit of the Lord. C'est pas seulement les gens qui ont des titres pasteurs. It's not only people who have the title of pastor. Qui sont capables de réaliser le travail de Dieu. That can realize the work of God. Les gens qui ont des titres pasteurs là. Si on seule responsabilité de gagner, si on seul titre là que le gagner, si on seule position que le gagner, tandis que le travail l'église bon Dieu là, gagne un paquet de positions, gagne un paquet de titres, gagne un paquet de responsabilités. Donc chaque responsabilité ça yo, c'est pour un monde dans l'église là. Mais le plus souvent et malheureusement, toute bonne petite saio et responsable saio, moun wè yo non seul moun, moun gade yo non seul moun, moun ki le pasteur. You see it in one person, the person that is the pastor. Ça so gros erreur. That's a big error. Nous chaque là. Each one of you that are here, you have a responsibility. Nous recevoir un don. You receive the gift. Nous devons travailler avec don ça. You need to work with that gift. Ou même qui fait baptiser. You who are just been baptized. Ou gain un don. You have a gift. Que bon Dieu ba ou. That the Lord has given you. Ou devez prouver. You need to prove. Compréhension. Your comprehension. Concernant don ça. Concerning the gift. Ou devez travailler. You need to work with it. Parce que vous êtes membre de l'Église de Jésus-Christ. Because you are a member of the Church of Jesus Christ. Ça c'est cadeau que mon Dieu m'a ouvert. That's the gift that the Lord has given. Ou de travailler. You need to work with it. Bon Dieu lui confie nous. The Lord he has confidence. À chacun de nous, le ministère spécial. Minister special ministry. Le ministère spécial. A special ministry. Pour que nous puissions travailler. So that you can work. Pour que l'église soit développée. So that the church can develop. Maintenant, après la dimension de don, after the dimension of gifts, il y a la dimension de ministère. There's the dimension of ministry. Ça, c'est la deuxième dimension. That's the second dimension. Qui c'est une étape de travail. There's a special type of work. C'est étape de travail, a level of work. A level of work. Étape de travail que la Bible est la diversité de ministère. C'est ça la Bible dit. Another level of it is que la Bible est la diversité de ministère. The diversity of ministry. Ok, ça c'est un appel spécial. That's a special call. Pour un travail spécial. A special word. Par un membre spécial. What was the last one? Par un membre spécial. A special member. Le ministère, il n'y a pas eu affaire. Alors, ma conjoint quand on dit ça, le ministère, c'est un conseil évident possible. Il n'y a pas eu affaire exclusive et limitée. Le ministère là, il est inclusif. The ministry is. It's not exclusive. It's not exclusive, it's more inclusive. It's inclusive. Yeah. Ça veut dire que tout le monde la donne. Everyone in it. Tout le monde la donne. Je vous explique ça dans l'autre façon tout à l'heure là. I was talking about this in a different way before. Tout le monde la donne. Everyone's in it. So responsabilité. The responsibility. En vertu de position en Jésus-Christ. Your virtual position in Jesus Christ. Et par rapport à ça qu'on veut recevoir dans Jésus-Christ après. And what you want to receive from Christ after. Parce que tout ce qu'on fait pour mon Dieu, because all you do for God, ou pas faire en vain. You don't do it in vain. Une bagaille que je réalise dans l'expérience comme pasteur, one thing I realized in my experience as a pastor, le plus souvent, on a parlé avec moi concernant qui ça me tire, de qui profit économique que me tire en tant que pasteur. People talk to me about my qui genre de profit économique? What kind of financial profit? What kind of financial profit do I get? Of being a pastor. Of being a pastor. Moi, je pense que I told them, bon Dieu, God,
He doesn't call you to come to the ministry to offer you a check every week. Li fò promès ke tout sa fè pou li la pè ou bak men pa bo ki la pè ou bak la men dè ke di la pè ou bak sa pè di tout rekompans ke la Bib pale de yo spesyalman nan liv Apokalips la sou bezwen gen yo ou pa dwe met an tèt. You don't put it in your head that you're going to do something for God. Et que dans l'immédiat, ou après ce voir, you bagay back. Receive something back. Bon Dieu va faire comme ça. God doesn't work like that. Bon Dieu prend soin chaque jour. God is going to take care of you every bon Dieu quitte au pauvre la famille. He's not going to let you. Li va quitte au dormir dans la rue. He's not going to let you sleep on the street. Mais en même temps, travail qu'on fait pour lui. But at the same time, the work that you're doing for him. Ou pas de imposer à Dieu. Une obligation d'être payé immédiatement. An obligation to make him feel like he has to pay you immediately. C'est pas comme ça que Dieu travaille. That's not how the Lord works. Matin, j'ai réfléchi. This morning I was reflecting. Et météo pendant que j'étais en train de petit déjeuner, météo dans téléphone mon dans section côté mon Siri qui est madame que besoin pas oublier. I put it like in my notes where you put stuff and so you don't forget. Qu'est-ce que vient dans tête moi mais pour écrire bien vite. So I put it in my head and I can write it back. This is what popped in my head this morning. États-Unis, I said in America, l'église avec toutes leaders, churches and all their leaders, yo bay moins importance à bagay qui spirituel. They give less importance to things that are spiritual. Amen. Yo mettez plus accent. They put more. Yo mettez plus à ça premièrement l'argent. With money. Titre, tithes, population de monde, the population of people, et building. And the building. C'est comme ça, moi. That's how I see it. Et bon Dieu, mais bon, yo abréviation, me dit lui. The Lord gave me an abbreviation. Donc, money, titre, MTPB, yeah. MTPB. MTPB equal church in America. Money, titles, people, and buildings. Si vous n'avez pas l'argent, if you don't have money, ou pas de titre, if you don't have titles, ou pas de paquet de monde, 10 000 monde population, people, ou pas de gros building, if you don't have a big building, dans l'esprit de plusieurs monde, in the mind of many people in the spirit, ou pas exister comme l'église. You're not a real church. C'est comme ça lié aux États-Unis. That's how it is in America. Mais c'est pas comme ça qu'on Dieu voit l'église lui. That's not how the Lord sees his church. Bon Dieu voit l'église comme des personnes qui cap travaillent à salut yo, cap travaillent avec qui mettent en bas contrôle esprit de Dieu. That's under the control of the spirit of the Lord. Pour que le nom de Jésus-Christ cap rester vivant dans la société et que l'évangile cap prêcher à tout le monde. And it can touch the people. Et ça fait bah où des dons spirituels. And that's why he gives you spiritual gifts. Ou le travail à dos à yo. You need to work with those gifts. So j'ai mis dans l'Ancien Testament, les Lévites, dans l'Ancien Testament, ils ont gagné un ministère spécial. In the Old Testament, they had a special ministry. Les Lévites ont gagné un ministère spécial. Mais les prophètes ont gagné un ministère spécial. Les juges ont gagné un ministère spécial. Dans le Nouveau Testament, les apôtres ont gagné un ministère spécial. Les diacres ont gagné un ministère spécial. Et chacun de nous, nous avons aussi un service pour nous accomplir dans l'église. Après dimension de don, après dimension de ministère, dimension, nous avons dimension d'opération. Ça, c'est application. That's the application. Ça, c'est troisième dimension. That's the third dimension. Qui c'est une étape de stratégie. It's a strategy. Qui c'est une étape d'action. It's a part of action, taking action. Dans quel sens nous opérer, ça t'a dit. Dans quel sens nous opérer. Dans quelle méthode nous utiliser la production nous. How do we utilize what we know? En tant qu'église, nous devons avoir un plan d'action. We need to have a plan of action. En tant qu'église, nous devons avoir une stratégie. We need to have a strategy. Nous pas capable église ni créer église ou l'église tout ça avec j'ai fermé et puis pas réfléchir pas nous pas penser à un plan d'action. You can't just come to church and then close your eyes and praise the Lord without a plan of action.
Faut nous move. Faut nous to move. Pas qu'à rester stable ou seul côté. You can't just be stuck in one place. Faut nous guider méthode. You need to have what? Méthode. Faut nous guider méthode. Method, a method. Pour nous capables de réaliser le plan. To realize the plan. Ok. Donc, nous devons des règles à suivre. Nous devons but devant nous que nous devons ou objectif bien déterminé nous devons atteindre. We need to have an objective in front of us that we need to reach. Ça veut dire la dimension d'opération. The dimension of operation. Ce bagage qui demande nous pour nous plus ou moins offensive. It needs us to be on the offensive. Faut une mobilité, déplacement, pour mener une campagne, pour faire publicité, au moins pour attaquer. C'est qu'on s'allie. Donc nous avons une responsabilité, chers frères et sœurs. We all have a responsibility. Est-ce que maintenant nous pouvons prendre ça à cœur pour nous prouver à Dieu que nous sentons que nous avons un don spécial? Nous devons travailler en équipe. We need to work as a with teamwork, as a people. Ce qu'on peut faire. What you can do. Mettez ensemble avec ça qu'on peut faire. Put it together with what I can do. Et ça qu'on peut faire. And what it can do. Lorsque les mettez ensemble avec ce qu'on peut faire. When they put it all together. Et que moi porte ça qu'on peut faire. And when I put what I can do. Il devient une force. It creates a force, a strength. Il devient une force. Power. Nous avons réalisé ça. You guys can see this. Entre Maestro Enoch et Etienne, il y a un gros vide qui vient combler pendant les deux à jouer instrument. Il y a un gros vide. Il y a un vide qui vient combler. Il y a une emptiness qui est filled. Entre les deux qu'on est là. When the two of them come together. Voilà. Parce que ensemble musique, you know, you know, guitar la, you know, sous piano la, et puis ouais, musique là-bas est belle. And you see the music become. Voilà comment nous tout fait tout. All of you can do this too. C'est chanteur qui a chanté. You can sing. C'est ou qui a enseigné. You can speak. Ou qui teach, ou qui a enseigné. You can teach. Teach. Yeah. Okay. Ou capable exhorter, ou capable visiter, chaque fois qu'on fait un bagage pour que l'église soit capable de marcher. So j'étais bien, nous avons une responsabilité. You have a responsibility. Responsabilité c'est pour moi. Responsibility for me. Responsabilité c'est pour vous. The responsibility is for you. Responsabilité c'est pour nous. The responsibility is for all of us. Que bon Dieu maintenant. So that the Lord aide nous chaque, can help us each, pour nous comprendre, to understand, nous recevoir de Dieu, the recevoir de Dieu, un don spécial, to receive from the Lord a spiritual gift, spécialement, especially, ces quatre jeunes, before you, la venant du mois d'août là-dedans, qui fait baptiser, mais soit Dieu, non seulement mais jeunes, ouais, donc nous gagnons pile qualité dans nous. Nous connaissons Christ grand en démontrer capacité li et ça que li fait et dans chambre ça pour permettre avec ton frère William et l'autre équipe là ou pour nous capable jouer de musique sur écran. Ça c'est un bon travail, il est déjà y est. Right. Ok. Nous gagnons mademoiselle Daniel. Qui seulement qui 16 ans, cependant, 16 ans, ça va me dire que le petit bébé pour être ça. She's not a baby because of that. Il doit comprendre que puisque la question que tu réponds, il doit répondre avec toute sincérité que livrer c'est un bon Dieu. Qu'on n'est pas capable de venir, même s'il jeune, pour lui jouer avec un petit petit. Non. Il est capable de faire quelque chose sérieux pour Jésus-Christ. Peut-être que quand petit mignon commence à apprendre des versets. She can take the kids and make them learn verses. You know. Donc ça c'est responsabilité. That's a responsibility. Ok. Donc chaque jeune, you, ou même qui parle anglais, ou le collège, ou même, eh bien responsabilité l'église.
c'est sous contour. Is on your shoulders. Comme moi déjà tout m'a dit nous ça. I'm always telling you this. Si bon Dieu voulait faire le concert qu'il a fait, mais moi-même en tant qu'homme, moi pas d'intention pour me rester à trembler et avec Bible à la main. I'm not trying to stand up here where I'm trembling with the Bible in my hand. Dans le numéro jeune pour place à prêcher et même chiter à ton d'elle. Donc nous devons prendre responsabilité nous à cœur. We need to take our responsibilities to heart. Ça c'est ça et ça que bon Dieu nous comme pour partager avec nous matin. Que bon Dieu capable bénir nous. So that he can touch your soul. Qu'il a ouvert les yeux nous. So that he can open your eyes. Pour nous comprendre. To understand. Nous pas prendre ciel là d'assaut. We won't take that. nous pas prendre le ciel là gratuitement. We're not gonna go to the... Même lorsque le salut est gratuit. Ah, nous sommes là, nous ne pas entendre. Nous allons au ciel gratuitement, même lorsque le salut est gratuit. Ça veut dire, la Bible a dit, il y a un pile de monde qui pourrait pleurer, qui pourrait crier devant mon Dieu. Lorsque il y a un frère qui est continué derrière, il n'y a pas d'importance. Et puis ce frère, ça peut recevoir des récompenses. Non, mais bon Dieu. Vous faites pour travailler à salut là. C'est ça la Bible, travailler à votre salut. On ne travaille pas pour votre salut, mais on travaille à votre salut. Ça veut dire, bon Dieu, bah, on salue gratuitement, mais on doit travailler pour prouver que pour une compréhension de relation qu'on établit, ou même avec bon Dieu. Est-ce qu'on veut recevoir une récompense? Bon Dieu, lui promet un paquet de récompenses. The Lord promises a lot of rewards. Donc, si vous voulez recevoir une récompense, vous devez travailler à ça, nous, là. But if you want to receive it, you have to work with your salvation. Oh. Donc, que bon Dieu a béni nous matin, et que à partir d'aujourd'hui, pour moi, que l'église ici, en tant que l'église locale, la mouve. Parce que chaque monde qui l'a dans lui comprend la responsabilité que vous avez dans vous-même, vous avez un don spécial. Le cap travail pour la gloire de Dieu et pour l'édification du peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. On a invité la sœur Laguerre qui a venu chanter pour la gloire de Dieu.
passer à autre chose, quelque chose de très spécial, matériel, que nous pas fait souvent en l'église là. Et pour nous introduire dans ce nouvel faire, on a campé pour nous chanter cantique en 17 français, mélodie joyeuse, à deux nouveaux combats, Jésus, tu nous appelles. Et pendant que nous finissons, nous venons dernière histoire cantique ça, et tous les membres de l'église déjà baptisés et qui pourraient aller participer dans le service de cette scène, d'ailleurs nous en pile là, d'après Samuel. Donc, on a rassemblé autour de la table tout le monde qui parle, excepté les quatre nouveaux baptisés qui ont posté dans la place. Tous les membres de l'église ont rassemblé autour de moi, autour de la table, lorsque nous vivons dans la dernière strophe là, en 17 français, mélodie joyeuse. Donc, on nous suit, ça va le faire, vous comprenez, on va suivre. À de nouveaux combats. Thank you.
là pour accueillir les quatre nouveaux baptisés. Puis on a lu pour nous dans Actes chapitre 2, verset 41 à 47. Il semble que Vatican s'en est biblio. Donc, si nous n'avons pas ça avec nous, on va lire pour moi, pas tout dans la dimension ça. Dans Actes chapitre 2, verset 41 à 47. Si nous avons deux cadres et dans ton débat à la Bible, nous sommes capables de faire ça pour nous, s'il vous plaît. Acte chapitre 2, verset 41 à 47. Ça va prendre un apportiton, parce que sinon ça, l'Esprit de Dieu demande pour nous faire lire. Acte chapitre 2, verset 41 à 47, c'est pas beaucoup. 6 versets. Ok, si nous venons, nous avons dit l'ensemble, les frères et sœurs qui rassemblent les membres anciens, dit pour nous, acte du verset 41 à 47. Commencez. 1, 2, 3, 4. Celui qui acceptait sa parole fut baptisé, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 ans. Ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chacun tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La chanteuse, furent nos rangs autour de notre maître, nous tous ensemble les Français, avant de nous faire la prière d'association. Thank you.
ça, nous présenter le corps pour nous accueillir ces quatre bénévoles qui amènent ton Dieu dans les eaux du baptême. Nous t'ai accepté pour nous faire connaître, nous t'avons vu dans l'évangile depuis des années, et je dis à nous faire un pas en avant pour nous témoigner publiquement leur foi dans les eaux du baptême et l'église, je dis à les accueillir officiellement, non seulement comme des convertis, mais aussi comme des membres à part entière de cette assemblée, en tant que baptisé, Dieu capable de participer dans toutes les activités de l'Église. Nous présentons à vous-mêmes, cher Seigneur, nous-mêmes, on va révéler à vous, donc, pour placer la foi, pour travailler, cher Seigneur, pour faire que nous restions attachés à vous-mêmes. Attachés à leur église, attachés à leur assemblée, nous capables, chers Seigneur, nos dynamiques fonctionnelles dans toute sa vie à venir, de livrer leur même également, chers Seigneur, pour conduire leur mère, pour marcher avec eux, mais au grand Dieu, individuellement, chers Seigneur, pour que l'église soit capable de triompher, que l'église soit capable de vraiment attendre avec espérance le retour de Jésus. Au nom de chers et au nom de Jésus-Christ, au nom de Dieu. She has been given of evidence of faith as a truly believer and disciple of Jesus Christ. We recommend her to all evangelical churches and Christian organizations. Thereafter, we laid hands on her August 5th, 2018, to take part to our activities as a baptized church member and a responsible leader. The viewer is right here, pastor. Donc, on va aller livrer comme quoi que nous sommes déjà convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et attendre le Dieu Jésus-Christ qui l'a ressuscité des morts. Nous sommes cela et par le fait que nous témoignons foi nous publiquement dans les eaux du baptême, donc nous ne sommes plus pas actifs dans les activités de l'Église. Donc, c'est bien ça, nous livrer à nous-mêmes. Certificat et après qu'on finit la nuit et on a appris aux membres par côté de la famille et on a pas nos lits et puis on a suivi pour qu'on va pas redamner l'association. Ok? Bon, merci beaucoup. Il y a des Moisson est tout à fait belle.
avec le frère Josué d'Aubilier dans Marc chapitre 14, verset 12 à 25. Le premier jour des pains. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent: Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya deux de ses disciples et leur dit: Allez à la ville, vous rencontrez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dit au maître de la maison, le maître dit: Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que nous préparer la Pâque. Les disciples partis arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il arriva avec les douze. Pendant qu'il était à la table et qu'il mangeait, Jésus dit: Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. Il commençait à s'attrister et lui dit: L'un après l'autre, est-ce moi? Il leur répondit: C'est l'un des douze qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qu'il est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fit pas aller. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant: Prenez ceci et mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous l'ai dit en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Amen. Parole du Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, comme le fait Sacha le premier dimanche du mois, nous réunis pour être capables de communier. Ça, c'est une recommandation de Jésus-Christ. Et nous devons faire ça en signe d'obéissance. Allez, même lorsque nous finissons convertis à Dieu, nous avons perdu la vie, nous plonger dans les eaux du baptême, nous en bonne relation avec le Seigneur, nous en bonne relation avec les frères et sœurs de l'Église, nous en paix avec tout le monde. Si conscience nous, on fait nous comprendre ça, le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, en révélé nous ça, donc nous avons liberté pour nous capables de participer et dans ce service du Saint-Esprit qui rappelait nous la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc nous allons partager ensemble en premier lieu le pain et chaque monde qui campait. Il a bien longé mais au coup un morceau et après c'est temps pour nous faire prière avant que nous puissions manger libre ensemble. Donc on nous fait ça pour la gloire de Dieu. Thank you.
pain. On nous prie pour nous approcher ensemble après la prière qui va faire avec notre frère Lio. On nous prie avant que nous mangions ça. Ça qui c'est un symbole, ça fait une mémoire que quand Christ a été brisé pour nous à la croix, il m'a dit pour faire ça pour qu'on songe comme ça qui était brisé. Mon souper ça, il n'a pas rien à voir avec quand Jésus-Christ, parce que quand Jésus-Christ est vivant, qu'on est là, c'est pas quand Jésus-Christ lié, c'est mon souper naturel. Mais c'est un symbole, ça veut dire ça. Ça sert comme une mémoire, une sorte de signe de respect, de compréhension par rapport à ce sacrifice. Donc, mangez mon souper ça, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mangeons tous ensemble. Thank you.
commencer encore une fois, nous avons reçu pour tout le monde de l'année matin, pour que tu permettes de jouer ensemble, pour que nous et nos bords blancs qui ont même fait l'éducation. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait pour le service. Et nous te remercions pour ces quatre moments, pour que nous allons venir ensemble avec nous. Nous demandons à bénir, Seigneur, et nous allons diriger dans tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, nous remercions infiniment. Parce qu'on dit assez de mourir sur la croix pour tout verser sang pour nous. Nous allons rédiger ça, qui nous symbole de sang aussi. Nous allons tant pis, nous allons bénir du vin ça pour nous. Dans notre petit budget, nous allons être pour ça pour les soeurs. Nous allons prendre fait ensemble pour rappeler sans Christ là qui était versé pour nous à la croix. Vivons tous ensemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vivons ensemble. Thank you.
Merci, le Capchita. Nous allons inviter tout de suite notre jeune Myriam pour venir chanter maintenant. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. So I had a pretty hard week, but I got through it, and I thank God that He got me through it. I've had like headaches for the past couple of days, and it was kind of hard for me like to focus on what I'm doing, but I got through it, thank God. And because it was a very long week, and I don't know if I could have gotten through that without Him. And I'm going to sing Give Me You. Give me you. Everything else can wait. Give me you. I hope I'm not too late. Lord, give me you. Lord, give me you. Lord, give me you. Lord, give me you. Give me you, everything else can wait. Give me you, I hope I'm not too late. Lord, give me you, Lord, give me you. David, yes, thank you. David financial class that will be starting Saturday, August 11th, and also August 17th and September 1st.
So I invite you to come to learn about the financial, you know, financial about maybe to go vini pour qu'on qui ça qui gagne en finance là, qui ça qui cahier d'eau parce qu'il y a plusieurs fois nous pensons que nous connaît mais en pile fois tout des bagages qui comme des gars ça qui plus que gens que ou grand gens que vous connaît là. Alors m'a invité pour venir. Alors m'a répété encore Saturday August 11 August 17 September 1st. So I hope everything got it. And the time will be 10 a.m. to 12 p.m. So I invite everybody to come, you know, to open your mind to know about the financial. And if you have any question, you know, come and ask question. And from there, Brother David will tell exactly, you know, how you can handle your, you know, your financial. Et nous connaissons que chaque jeudi soir, nous toujours des prières. Jeudi ça là, c'est écoute, la sœur Angie. Et puis jeudi passé là, que nous devons faire la sœur Ima. Alors nous sommes venus, nous partageons des prières et grand pile bagage que nous prions tout. Alors mais vite nous jeudi soir toujours venir. Si que vous pas gagne, if you have nothing to do at your house every Saturday night, we have our prayer meeting Thursday 7 p.m. So I invite everybody to come, because I mean if you stay home, you're not spiritually you're not gonna move forward. But if you come every Thursday night, you will know something. You will not go home without knowing something about the words of God. Alors, mon petit bon Dieu, merci. Bon Dieu, fais-nous grâce. Et bon Dieu, protégez-nous. Si nous l'avons toujours, c'est grâce avec bon Dieu que nous l'avons. Alors, mon petit bon Dieu, merci tout pour quatre membres qui avec nous, qui participent avec nous. Et nous sommes réellement plaisir. Nous sommes contents. Mes amis, un bâton beau bravo pour 4 mois de mes amis, sont gratuits. Ils sont gratuits. Bon Dieu, touchez que mon sao, que parmi nous, ils sont gratuits. Nabdi à la sœur Ima, pour le café, prière pour offrir de la marche au point là. Et aussi, avant que prière là, dimanche, si Dieu veut, à 11h, mes amis, moi-même qui déconne bien déjà en 8 ans, font façon de lever bonheur. Je me dis, ah, l'heure que vous observez, bon Dieu, vous supposez venir avant que le service n'a commencé. Vous supposez un leader, genre parce que tout le message, parce que je prends des messages là, messages à traverser. Et monsieur, je vais prendre pour chaque monde qui est là, pour tout. Power sur le temps de vous mettre en application. C'est pas seulement quand vous venez l'église vous chita ou pour vous croiser pas ou pas faire. Il faut qu'on bagaille pour bon Dieu. Sans que vous ne pouvez pas pour bon Dieu, bon Dieu lui-même, il va qu'à bénir à travers le travail ou faire pour l'ien. Pas de chita seulement, mais cherche un bagaille. You know, find something to do for God. Don't just come short and sit down. Don't do anything else. No, it's not about that. You're a leader. You're supposed to come on time. And do what God tells you to do. Because from now on, you are a leader. You're supposed to act a leader. Be a leader. Be an spiritual. Permet que l'autre monde qui voit ou qui a inspiré mon sérieux. Be well. Like they can say that this person is not the same as me. I have to follow that person. Because that person is different from me. Be a leader. That's what I'm trying to tell. Amen. 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 Maybe tell us your email for cafe prayer for fun. Thank you.
Amen. And after service, I would like to have like a tattoo after service that can meet her after service. Amen. Avec toi. Après bénédiction, nous sommes capables de passer dans la cafétéria pour nous capables de mouiller gauche nous à outil bagaille parce que nous allons faire deux heures de temps en Chita. Donc nous prenons avant de passer la KO. On va venir nous faire quelconque pour mouiller gauche dans la cafétéria, s'il vous plaît. Et après, nous faisons chanter que avant de mettre notre Dieu règne encore. Et bénédiction dans mes frères qui sont avec nous, beaucoup de gens qui ont retenu nos lits. Frère Sylvain, je n'ai pas de mémoire de nominal du tout. Donc, frère Sylvain, pour dire, il est capable de prononcer pour nous, on va faire pour nous la prière finale, dis-je. On a fait pour la prière finale, après nous faire une chanter quand c'est sur la victoire. Ok? Frère Sylvain, regardez. On nous capable de chanter quand c'est ça, 220 des Français sans espérance pour terminer le service de ce matin. Je remercie chaque monde qui est là matin. Si vous avez voulu célébrer l'anniversaire, nous célébrer avec vous. Nous ne pouvons pas sur l'écran, mais de toute façon, nous célébrer avec vous. Sur la victoire, soldats du Seigneur. Je vois.
prière finale. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, en Jésus-Christ, Seigneur nous et Sauveur nous. Nous comptons maintenant la minute ça pour nous venir devant face bénie par la foi, au nom de ce sang versé sur le bois du calvaire, pour la, qui était versé pour la rançon de notre péché. Merci pour permettre nous venir devant face au matin, hein, en esprit et en vérité, et la prière comme ça. Pendant la prière, merci pour toute grâce, faveur, bénédiction, chaque jour, pour semer à travers la vie. Nous demandons, Père, même Jean, pour te commencer avec nous, nous te rentrer dans ton ça en bien matin, hein, nous écouter message parole, nous écouter belle musique qui rafraîchit cœur nous spirituellement. Nous demandons, accompagnez-nous maintenant et pendant le reste de la journée et faites-nous passer les journées attachés dans le bras par la foi en Jésus-Christ, Seigneur de moi et Sauveur de moi. Nous demandons, bénis leader de l'église, surtout bénis pasteur qui portait bel message, belle méditation pour nous matin, bel conseil. Nous demandons, aidez-les pour rester attachés à vous, fidèles par la foi, afin que au dernier jour, nous tous ensemble, nous allons rencontrer le royaume, quand nous allons chanter louange qui va jamais finir. Aidez-nous, qu'elle nous ferme ma présence, au nom de Jésus-Christ, qui nous a sauvé le monde, qui vit et qui règne au siècle des siècles, nous prions. Amen. Que la toute-puissance de Dieu, dans sa grâce, dans son amour, nous garde et nous protège, et surtout protège le pasteur de cette église jusqu'aux confins de la terre. Amen. Amen. Notre Dieu règne encore. Pour quelque chose, s'il vous plaît.